Et voilà, bonjour à tous et à toutes, c'est Battlefield Hero. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est une vidéo annonce, non une vidéo tuto ou rien que ce soit. C'est une vidéo annonce concernant en fait le futur de la chaîne plutôt. Alors là je suis sur le serveur Please Craft Me pour ceux qui connaissent. Donc oui je me balade un peu pour savoir, pour éviter de rester stable et en train de parler. Alors je disais donc que il va y avoir du changement sur la chaîne. Ce que je compte par là, c'est que dans les 3 prochaines semaines, ou même voire 4 prochaines semaines, je suis en période d'examen. Donc à mon avis, les vidéos, il n'y aura pas de vidéos sur la chaîne. Ne vous attendez pas, n'allez pas visiter la chaîne tout simplement, parce qu'il n'y aura rien de nouveau. Tout simplement, voilà, je suis en examen, c'est vraiment chiant. Hein. Mais bon, une fois que ce sera passé, je pense que... Bon, je retournerai de plus belle sur YouTube. Par contre, quelque chose que bon, je vais déjà vous dire un peu quand même, comment dire, si quand je vais faire mon retour sur YouTube, entre guillemets on peut dire ça, je vais quand même prévoir un peu quelque chose. On claque la porte. Je vais prévoir quelque chose, je vais pas débarquer avec ouais bonjour, je débarque, ouais c'est cool. Non franchement je risque de débarquer avec un très très gros projet, mais cette fois-ci beaucoup plus énorme en fait que les projets que j'avais dit soi-disant gros dans les prochaines dans les dernières vidéos pardon, car il s'agit en fait d'une map. Alors j'avais déjà posté une map sur ma chaîne, soit c'était Bomber truc, enfin bon Warcraft un truc comme ça. Bon je dois vous l'avouer, elle était un peu faite à l'arrache. C'est vrai que j'avais envie de me lancer en fait dans une map vite fait, et bon ça a pas trop réussi, c'est normal, vu que bah c'est une map à l'arrache et tout. Il n'y avait pas trop, c'était pas un trop gros principe on va dire, c'était pas quelque chose de connu. Il fallait prendre en fait quelque chose de connu mais le mettre sous une forme différente pour que ça devienne un peu plus jouissif quand on a un autre qu'on a un gameplay différent, voilà. Et alors pendant que je me balade sur le serveur, je voulais vous dire donc qu'on est avec mon ami Sulfat hein, comme d'habitude, sur la construction du map PVP, donc player vs player, totalement l'1.5. Donc je pense que d'ici là la 1.6 sera sortie, donc pour vous dire que elle va mettre du temps à sortir hein. Alors on en a même pas à la première section. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans cette map là, qu'est ce que ça va être? Ça va être tout simplement une map PVP mais comprenant différents mini-jeux, c'est à dire que c'est une map PVP globale dans laquelle il y aura 5 épreuves PVP. Et sur les 5 épreuves PVP, vous pouvez faire une histoire complète où vous ferez tous les 5 mini-jeux d'un coup, c'est-à-dire un après les autres, ou sinon vous pouvez sélectionner chacun un jeu individuel pardon. Alors, très joli en tout cas, la vache, putain les décos, hein, ils vont se faire chier en faire un truc pareil. Et ben voilà, et pour présenter la map, ben je compte parmi vous parce que simplement on va pas être deux à présenter une map qui se jouera normalement de 6 à 8 joueurs, vu qu'elle est assez grande, on a mis une journée pour faire juste une partie de la map, alors ça met énormément de temps, je pense même pas qu'on l'aura fini, ça franchement ça va mettre énormément de temps. Donc vous attendez pas non plus à de gros changements sur la chaîne, hein, en tout cas avant ce retour. Et ben voilà, donc j'aurai besoin de vos avis et pourquoi pas tout simplement dire je participe ou quelque chose comme ça dans les commentaires pour dire que vous voulez par exemple participer à la vidéo pour faire la présentation de la map PVP ou tout simplement contribuer à présenter la vidéo avec moi sur cette nouvelle façon de jouer en PVP dans Minecraft avec ce nouvel... Ah je pense que je dois pas vous en dévoiler plus que ça, sinon ça va être foireux quand je vais lancer la map. Honnêtement c'est un principe qui n'a jamais été découvert et franchement j'espère que ça va vous plaire. Donc je disais avant de vous quitter, juste pour vous donner un petit indice, parce que j'enverrai 2 ou 3 screenshots des fois quelques semaines hein, pendant quelques semaines pour vous montrer un peu comment ça va être, mais j'ai découvert les principales de la map. Et bah tout simplement bah voilà, on va se quitter. Et juste avant, je disais, je vais vous donner un petit indice. Ça va être une map un peu style Battlefield. Donc Battlefield 3, pour être précis. Je tiens à vous dire déjà que ce n'est pas, je vais pas copier les maps de Battlefield, c'est pas ça. Donc je vous laisse réfléchir sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. à très bientôt pour une prochaine vidéo, je disais, c'est vrai parce que je vais être absent. Dans 2 ou 3 semaines, donc excusez mon absence et encore profitez bien. Ciao tout le monde.